Polémique H&M, il y a un petit gamin noir qui a été pris en photo pour le catalogue H&M, il avait un sweatshirt vert avec marqué « Coolest monkey in the jungle ». Voilà, donc forcément, racisme, hein, c'est vrai que c'est un peu maladroit, on va pas se mentir. Hein. Mais moi qui ai fait de la pub, j'ai fait pas mal de shooting photo, je pense pas que ce soit un problème de racisme. C'est plutôt un problème d'harmonisation des couleurs. Vous voyez ? On sait comment ça se passe, le shooting de pub. Tu vois, t'as la photographe, la styliste, la directrice artistique, t'as le client H&M qui est très très loin, en train de parler au téléphone derrière et qui regarde pas ce qui se passe. Et la photographe, elle fait « Alors ça va ? On fait... Ouais, alors, on a mis le t-shirt bleu à la petite blonde ? Ouais, ah, c'est super mignon. » Ah bah oui, harmonie avec les yeux bleus, c'est super mignon. Mais t'es jolie comme tout, ma chérie. Hein, il faut qu'elle continue de mannequinat, elle. Hein, ouais. T'as quel âge maintenant? 8 ans? Bah faut commencer à te faire vomir. Hein. Ah bah oui. Alors le petit noir, il est où? Le petit noir avec le sweatshirt vert, c'est parfait, voilà. Ouais. Oh, ça fait after eight, là. C'est marron et vert. Enfin, ouais, c'est joli comme tout. Je sais pas si tu as marqué dessus, mais on s'en fout. Et il est où le petit frisé, là? Le petit frisé? Comment il s'appelle? Moshé, il s'appelle. Moshé? Il est où, Moshé? Voilà, viens là. Voilà. Bah oui, c'est très bien, ça, le pyjama bleu avec les rayures, là. Mais c'est joli comme. T'aimes pas le pyjama bleu avec les rayures? Pourquoi il pleure? Un truc avec son grand-père? Mais c'est pas grave, mon chéri, on va échanger avec la petite Asiate. Elle est où, la petite Asiate? Chang, Camille, si tu veux, oui. Tu lui files ton t-shirt avec l'étoile jaune, voilà, vous switchez. Hein, pas de soucis, voilà, c'est cool. Et c'est comme ça que ça se passe, un shooting.